J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test. Alors comme je vous le disais juste avant, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test de ce produit qui est le lisseur des mélisses de Saint-Algue. Je l'ai reçu gracieusement de la part de Auchan Toulouse Gramont puisque nous sommes en partenariat et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur ce produit. Alors moi dans ma salle de bain j'ai un lisseur, je ne sais même plus laquelle marque c'est, qui est tout fin tout petit. C'est vraiment le petit lisseur d'appoint ou si je dois partir en week-end. Et j'ai le Steampod, donc j'ai vraiment très hâte de tester celui-ci qui se trouve au milieu des deux que j'ai et qui coûte... il est vraiment pas excessif, il est à 69,99€. Donc une bonne alternative pour ceux qui ont ce budget-là. Alors, donc ça se présente comme ceci. On a... un grand coffret, donc on va ouvrir ensemble. Donc à l'intérieur, donc là ils disent lisser, réparer, sublimer. Et à l'intérieur il a un soin à la kératine qui répare en profondeur et qui est à faire avant le lissage. Et un élixir de brillance pour avoir des cheveux éclatants. Donc ils promettent une finition professionnelle et aux protéines de soie. Donc voilà, et les avantages du lisseur, technologie valeur puissante, un réservoir intégré de 40 ml, un peigne latéral rétractable, des cheveux réparés en profondeur et des cheveux ultra soyeux. Donc parfait pour moi qui ai des cheveux permanentés depuis plus d'un an et qui restent encore. Donc déjà ça j'en suis super contente. Mais du coup j'ai beaucoup plus de travail à effectuer pour avoir un lissage. Et les miens, voilà, je niveau couleur, mèche, enfin voilà, il me reste des mèches en fait en bout. Voilà. Donc je suis pas revenue chez le coiffeur depuis... depuis un petit moment, donc puis il y a eu l'été, ils sont abîmés, etc. Donc voilà, si ça me promet d'avoir des cheveux soyeux, lissés, etc. Donc c'est juste le top. Donc je vais ouvrir et c'est un très joli coffret. Ça peut être vraiment une idée parfaite pour offrir. Donc à l'intérieur, j'ai... Donc ça, c'est à appliquer avant. Donc c'est un soin à la kératine. Donc la kératine, ça c'est juste parfait pour les cheveux. Donc soin kératine réparateur, hein, puisque c'est le point fort de la kératine. Ça va vraiment venir vous réparer le cheveu. Nourrissant, soin professionnel et pour tout type de cheveux. Donc ça c'est pas mal. Donc on va faire ça de suite. Donc on fera un petit peu attention parce que c'est un produit assez liquide. Donc voilà, il suffit de d'être un petit peu soigneux. Et on va venir appliquer tout ça sur les longueurs et les pointes. Je vais venir au passage brosser mes cheveux pour enlever le maximum de nœuds. Donc voilà, j'ai appliqué le soin, j'ai démêlé aussi mes cheveux en même temps. Donc voilà, juste à faire attention parce que c'est ça a la texture d'un lait, donc c'est plutôt liquide. Au niveau de l'odeur, ça sent vraiment très bon, c'est facile à appliquer. Donc le soin est validé. Et ensuite, je viens chercher la bête. Donc, je vais enlever le soin pour après. Je vais enlever ceci. Alors déjà, c'est assez extraordinaire parce qu'on a une longueur de fil assez impressionnante. Donc ça, c'est plutôt très pratique. Ah, ça c'est top. On a une pochette. Ah, ça c'est génial. Donc, je viens de le brancher. Vous venez d'entendre le bip. Donc déjà, pareil, je trouve qu'il est ultra léger. Il est vraiment super, super léger. Mais vraiment, quoi. En plus, il est super joli, il est doré et pailleté. Donc je vais vous le montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà, il a un écran à LED. On a les petits boutons ici. Ça, c'est un peu pour s'agripper, pour pas déraper. Et là c'est juste génial parce qu'on a le réservoir, donc comparé au Steampod où le réservoir est à part et plutôt imposant, ici on l'a directement sur l'appareil, donc ça je trouve génial. Donc du coup voilà, il faut utiliser de l'eau déminéralisée, donc c'est ce que je vais faire et je vais aller remplir le réservoir.
Donc du coup, c'est très facile, il vous suffit de coulisser vers le bas. Ici, vous avez juste à ouvrir et on va pouvoir mettre l'eau à l'intérieur. Et il y a un petit ustensile à mettre. Et en fait, on a ça de livré avec, comme une sorte de petit biberon où on va pouvoir mettre l'eau à l'intérieur. Remplir comme ça. Voilà, là je l'ai mis là à peu près. Et donc, pareil, on va venir clipser et on en parle plus. Donc là, il y a marqué off. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc ça, on a le... la petite... je sais pas comment on peut appeler ça, la petite barrette là. Qui va un petit peu en même temps enlever les nœuds de vos cheveux. Et au niveau de l'appareil, en fait, elles sont plus larges que le SteamPod. Donc, je me rapproche et là, on a le petit bouton power qu'on va allumer. Voilà. Et ensuite, vous allez choisir. Donc, au minimum, c'est 150. Et moi, je vais le mettre à 130. Donc, voilà, vous pouvez le régler. Et au milieu, c'est la vapeur. Donc, si vous voulez qu'elle y soit ou pas. Donc, nous, on la veut. Et il me semble que ça bipe. Dès que c'est prêt, là, on a un petit cadenas. Et vous entendez que ça commence à chauffer. Et j'ai l'impression que c'est déjà prêt parce que le cadenas ne clignote plus. Donc voilà, et dès que je le ferme, eh ben voilà, il est déjà prêt. Donc autant vous dire que c'est très 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 rapide. Voilà, donc ils disent qu'il atteint sa température en 45 secondes. Donc très pratique, même si vous devez l'utiliser le matin avant d'aller travailler. Du coup, je sélectionne une première mèche et c'est parti. Donc j'ai passé deux coups, alors sachant que j'ai les cheveux, je vous dis, quand même bouclés. Donc vous voyez ce que ça donne en juste deux coups. Donc c'est hyper rapide. Et on va continuer. Donc voilà pour un premier côté, sachant que je passerai vite fait dans ma salle de bain tout à l'heure pour fignoler parce que là j'ai pas de miroir et je suis juste en retour caméra donc plutôt assez de loin. Mais en quelques coups, en quelques minutes à peine, grosse différence. Donc on passe de ça, donc j'ai les cheveux très très secs, ne l'oublions pas, à ceci. Donc là je suis vraiment satisfaite parce que c'est ultra rapide, donc on va faire l'autre côté ensemble, c'est parti. On se retrouve quelques minutes après, donc je vais l'éteindre. Voilà, on en a fini avec ça. Du coup, je ne suis même pas passée par la case salle de bain. Voilà, au moins on aura vraiment un effet... Bah, en fait, c'est nickel. Donc, j'ai pas besoin de regarder de plus près. Donc, au niveau du résultat, donc déjà, avec le soin à la kératine, ça me fait vachement briller les cheveux. Donc, je vous montre. Et d'autre côté, vous voyez, le cheveu est super brillant. Donc, ce que ça donne. Donc, voilà, je suis vraiment super ravie du résultat. Alors, juste faire un petit peu attention à bien démêler vos cheveux avant. Sinon, la petite languette, elle aurait tendance à sortir. Mais bon, moi, c'est parce que j'ai vraiment... J'ai vraiment ici les cheveux, enfin il faut vraiment que je me coupe les pointes, etc. Ils accrochent beaucoup, mais ça c'est la permanente et la déco qu'il y a eu par-dessus. Mais voilà, c'est le petit bémol entre guillemets.
Et donc pour finir, je vais utiliser l'élixir de brillance, donc sérum de brillance enrichi. Donc le sérum à appliquer après le lissage qui apporte brillance et un parfum subtil à votre chevelure. Et il se présente comme ça en flacon pompe. En plus, c'est pas mal parce qu'il y a une petite protection. Donc voilà, j'ai mis 3 mini pompettes, ça se voit même pas. Donc je vais chauffer la matière. Ah, ça sent vraiment bon. Ça sent les îles un peu. Ça sent très très bon. Et je vais venir l'appliquer comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, moi je suis franchement super ravie. On a un prix très correct de 69€. Là il y avait le plateau beauté de chez Auchan, il était tombé à moins de 30% à 48€, sachant que des plateaux beauté où il y a des réductions, il y en a je crois, si je dis pas de bêtises, de 3 ou 4 fois pendant l'année, donc hyper intéressant sur les lisseurs. Donc voilà, le prix est abordable, la qualité des produits, la contenance des produits, la rapidité du lisseur. Les soins qui vont avec, ou vous en avez pour un moment, le fait qu'on ait le petit réservoir intégré, même si il faut faire une petite manip, franchement ça vaut le coup parce qu'il est ultra léger, on a un fil très très long. Donc franchement, pour 69€, il a vraiment tout pour plaire. On a un petit pochon de rangement, que ce soit pour vous ou pour offrir, je trouve que c'est juste parfait. Je suis très contente d'avoir testé la gamme Saint-Algue. Je ne l'avais jamais testé. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toutes les qualités réunies, budget, tout ce que je vous ai cité. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà chez eux ou qui l'ont déjà testé? Donc j'ai vraiment envie d'avoir d'autres avis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Auchan, Toulouse, Gramont de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de tester et de vous montrer ce produit. Je vous retrouve très vite, je vous embrasse, à bientôt. Ciao. Oh, 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 oh